Nozali molongi monene Yesu Kristo libanda na yo mokonzi mosalite yonde olobi ke je suis le premier le dernier omibengi alpha omega olobaki tu étais tu viens otalisaki ke nzambe bikeke na bikeke yozali le je suis ozali zambo yo salaka minene kolo mawana yo nikolo na libota mobima nzambe. Sepela koyamba biso nzambe na bomoi moko na moko koya o sepela koyamba ye na ngolu na mawana yo zambo pardonne nos fautes zala grâce Seigneur de gloire de paix de miséricorde dans ses services retrouver grâce na yo pe miséricorde na yo autorité na yo zambo yango etalisama na yango olobaki tosambelaka ke ton règne vienne otrumine nzambe sérieux omitalisa na yo Seigneur de grâce. Oyano nana mitungisi ya mboko na mboko nzambe na bomoi tokimele pa na yo nzambe oyo o salaka minene onesevaka te tokimele pa na yo nzambe na biyano epai na yo makokio ezanga suka ezali tie le dieu ya bapossibilité ilimité osalaka na yo bikamwa ngolu na yo ezala likolo na yo mosala zala mokambi nzambe ya bosangani oyo zala au Dieu de grâce de pour koyeba kotia loyembo na kati na biso na tenete tutato la monene na yo zambe zala motei molimboli na tango ya litea mona na balamu zambe na service nyonso mwango nyonso ya molili esprit nyonso demoniaka nazali ko croire qu'il y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Na s'opposé la manifestation de son démoniaque, bataille de son monde et ténèbres, la déjouée et la compagnie de Jésus-Christ. On domine et s'amène bien dans mon Dieu ses services. Qui m'y a eu et a dit sa mana et un bon la compagnie de Jésus, tout ce qui a eu. Amen. Amen. Tu veux dire, ma bonne matasse, à bouger dans le coumou, à bouger dans le kébou. Merci. Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur Jésus.
Merci Seigneur, Nangolo Koyo Sali, Nakomo la Yokolo, mon conseiller, mon ministre, Monsieur Jésus-Christ. Je dis merci Jésus. Bien-aimé, Zangate Koye Bisae était Nanyonso Yo Zangeli Bandatongo, qui nous compte Sayo Nangoga Oyo, au solo ni Mingi, mon oko solo la Mingi Zanga Ramabakute. Mon thème en Aope, au côté d'un monde avec raisonnement. Dieu sonde le cœur et le rein. Ce qui a pesé ma canicinaïo a beaucoup à toujours, mais banakati. Voilà, pour Nango, qui est né, comme il s'est dit, sur la bonne naïo, Sandela, la Congo de Jésus-Christ. Bien aimé, Oyaki le Sambo, dans notre petit d'arrêt, Sandela. Tika, Kota, la Bipaï, la Bipaï, ce poète, il y a un policier à PCR, à OAT. Oyende le Sambo, Oyé service à police PCR, T. Kolo, Sandela, Boboy. Tumi bonzi na bako na yo, yo yotonda ngolo pe mawa. Tika ese ngolo na yo, esala tujou si polo. Po ete na zamoto, kela mina mokola motoba. Kela mina mabene, na kota mina zina na mwa, sina lati nzoto yo partage na ango eza faiblesse. Voilà pourquoi, eza tujou komi ki tsa ligoso na yo, ete que ta grâce, Seigneur, si rabonde, tel qu'il est écrit dans le livre de ta parole, que là où les péchés abondent, c'est là que la grâce de Dieu si rabonde, oui. Laisse que, Seigneur mon Dieu, ta grâce se rabonde sur nous. Selon ta coutume, toi qui es riche en bonté, en colère et plein de miséricorde. Oui, Père, traite-nous selon la richesse de ta bonté, la lenteur de ta colère et la plénitude de ta miséricorde. Ne nous impute pas nos fautes, Seigneur, je dis. Pardonne-toi, l'agneau de Dieu, qui nous a péché. Dimissa Kolo, Zabina Bomo, Imoko Namoko. Katina, assemblée la mission à Obisika. Merci pour être yoki, pe yoko sana. Na kombo na okolo, okonzi, pe obiks na bise de Christo, kolobi. Mokote apo kanina yo, mokote apo kanina yo, sabe, sabe mokote apo kanina yo, sabe namba. Mon côté, à ton canina yo.
Voilà pourquoi après-midi à l'élo, yé bisa na yé yo yo ke la matoi, yo yo ke la miso, yo yo ke la monoko, yo yo ke la maboko, ok, makolo, amon ayon na bisika bileki likolo, atambole la yo poko a l'élo, asimba yo na poko a l'élo. Ayo kaboleli na yo na poko alelo. Tomoni na kati ya Bible. Amona ebele atambolela bango abikisa bango. Emona kaye Anania, Azaria, Mikael kati na libeke na moto. Akita atambolela bango bazika na moto te. Amona Lot na Sodom na Gomor. Alanda ye kuna abimisa ye Sodom na Gomor ezika melot azika te. Loboko na ye simba yo. Pwete a imisa yon na mokili. A yoka kolela ya an. A pesa ye. Mwana teme bana. A yoka losambo na yon lelo. Yende a yoka pe. Koganga ya Bartime. A fungola ye miso. Lelo. Zaka fungola pe yon miso ya molimo. Biene me. Tala. A solola. A loba. Oui. Kake pa na ye Bartime. Kango a loba ete. Mona. Partime à Mona. Et pas à Lazare, après sa ordre, na kunda lobi Lazare, sort. Lazare, a c'est quoi? Nzambe wana zana bomoy. A visite yon a poko alelo motindo wana na tine te yo zonga motindo yo yete. Sambela, na kobo na Yesu Christo. Oui, bien aimé Sambela, senga kambo na yo. Eza ya motote, oza na droit ya koye bisa papa na yo. Ni kambo eza ko senga na yo moto za pepe no ata yoki yende ya ko pesa yo te yende pe ya ko ki ko pekisa yo te po nzambe soki ali ya pambola moto atuna ka te bo lina pambola e soki akani ko pesa yo moto pe ya ko pekisa ya za te Seigneur de gloire tout puissant te ple o e baye pa na yo po ete ba soso de te pa na le lobi ko ezali po ko le lo Seigneur Jésus yo yo ke la makolo yo yo ke la miso. Yo yo kela ma poko, yo yo kela ma toi, Seigneur. Et la disette, yo zana bina ma bina biso. Mona moko na moko katino esika, eh Yesu Christo. Si ma yako mona moko na moko, tambole la moko na moko ya wezambe. Si ma yako tambole la moko na moko, simba moko ina moko na moko. Si ma yako simba yekolo, lubela ye di loba na pomoy. Si manakolo belae, pesa pedito inalo sambo ya mwana na yo, natina ete, bo zongi na bango, moko na moko, atatola, bo tata na yo, bo nzambe na yo, ete na kineke pa atata, solo, ayoki kape a yanoli ngai, a change circonstance ya vina ngai, a change identite ya vina ngai, a change personalite na ngai, a change lolenge na ngai, ya mabe apesika lolenge ya malam, kuro, impossible za rake pa na yote. Après le dire, le Seigneur, il va agir puissamment et efficacement. Merci. Pour qui ça. Amen. Tout qu'on est médecin d'Abbé, on a eu un Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu peux sur merci puisque il y a eu un Jésus-Christ. Pour qui demande, il vous sera donné. To sengi na nzambe mususu te, na nzambe ya bala te, na nzambe ya moloke te, na nzambe ya astarte te, na nzambe ya mamon te, kasi to sengi nde na kombo na yo Yesu Kristo, kombo ye yanolaka, kombo ye lekipa, kombo nyonso. Merci po ete yo yoki, pe yo ndo komi moni sa disusu, na kontinite ya milulu miye, kino kokom sa biso na suka, to kokom sa seyo. Na kombo na yokolo, mokonzi, bebo biksi na biso Yesu Kristo lobi. Amen. 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 Yesu, mokonzi, pambola yo, na kombo na Yesu Kristo.
Nani mokonzi? Nani mokonzi? Oui, toi et Milolo, voilà tout ce qu'il y a dans Bayembi, moi et Sika. Bayembi, la Nzambe, Tolanda, Toyoka, et là on est Nzambe à Tchekati na Bango.
Thank you.
Isa Kurale Monene Anzambe Namboka Ariware. Nakati a disanga ba santo. Kola pambola bango na kombo la Jésus Christ. Apa kisera bango di susu. Golona ye fuluka. Te ba ko ba ko sale na ye. Amen. Isa kola ba tumoli de biso. Écoutez. Nega babine za kola ba tumoli biso. Elle est au robin à mouta au pixamoning à zat. Elle n'est au sangaraboué. Maman au kilo, tata au kilo à zat. Tous au bina selon génération, Jésus. Mabina, yamoli moussatu. Amen. Vous voyez Mélaï, vous au binéraï, pour être à Zamaram. Tala, bien aimé, commissaire. Mouta commission à date à l'élo. Et dans Zambé. Et le 1er janvier, va couffa les deux. Vamos sous les trois. Vamos sous les quatre. Nous sommes en janvier, vamos sous le février, mars, ainsi de suite. Mais nous avons commis les lois. À cause, il y a peu de monde qui a été fait. Peu de monde qui a été fait. Tellement. Nous avons une vidéo. Tellement. Nous avons une vidéo. Bye.
ambiance à Lola. Ils seront wapi. Ah. Ah. Bonjour, mon Dieu. Hein? Laissez-moi le long. Nous sommes convaincus que si la conduite n'est pas ici, c'est parce qu'il a préparé de te faire du bien. Il faut savoir que le Seigneur te connaît plus que toi-même. Et il connaît ce qu'il faut pour ta vie. Les seigneurs que nous servons, Jésus-Christ, il n'est dort ni ne sommeille. Il avait dit qu'il ne te laissera pas orphelin, il sera toujours avec toi. Là, ce sont ses promesses et il ne les renie jamais. Aza le vrai médecin. Azali mon solo. C'est lui qui connaît enlever les maladies dans le corps. Comme tu es venu enseigner, tu n'es pas venu chez un homme. Tu n'es pas venu chez le ministre ou le prédicateur. Mais ta foi saura donner la solution au problème que tu as. Il faut croire na kati na yo. Il faut croire en toi. Que la parole que j'écoute, c'est celle qui est la solution à tous mes problèmes. Et aussi, Bandekonyoso va répondre à une invitation. Et que le Seigneur bénisse à tous ceux qui ont répondu à nos invitations. Tondi mes amis que Zambende a tenimisio vraiment oyea wana makanisi ya motote. Nous sommes convaincus que c'est le Seigneur qui t'a révélé. Tu es venu ici non par la pensée humaine. Donc on voit texte na biso par la grâce de Dieu. Nous allons prendre notre texte par la grâce du Seigneur. Tozotanga na mokanda ya Deutéronome d'abord chapitre 18. Nous allons lire le livre de Deutéronome, chapitre 18. Le verset 15e. Le verset 15. Tout à l'heure, comme bon à Jésus-Christ. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi. Yahweh, Zambé Nayo, Akotombo Lakatikati Nayo.
d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb. Les jours de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel ton Dieu, mon Dieu, et que je ne voyais plus ces grands feux afin de ne pas mourir, que Dieu bénisse les lectures. Tozali nalité ya o tozali kote ya qui est Jésus Christ. Nous sommes dans notre prédication qui est Jésus Christ. Lobi oye leki. Hier, bien aimé. Totali saki na makoma mi anzambe. On avait montré par les écritures de Dieu que Jésus-Christ n'a posé une question à Yemoko. Et Jésus-Christ qui avait lui-même posé cette question. Dans Matthieu 16, verset 13. Dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Alobi babita ya Césarée bazolo banga na zanane. Il dit, les habitants de Césarée, qui dit-on que je suis? Ngai, fils de l'homme. Moi, le fils de l'homme. Alors, papa n'a dit qu'il y a là. Alors, ils ont commencé à répondre. Après, il a tourné qui bambo et vous. Après, il a posé la même question à ses disciples. Maintenant, Pierre a su parole. Et Pierre a pris la parole. Alobitié le Christ. Alobitié aux amis Christo. Les fils de Dieu vivant. Moi, na yanzambe la bomoi. Alobi. Il a dit. Tiré Simon. Osali motone sembo Simoni. Alobi, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Et Zali Sunina Makila tete talisio makambo oyo. C'est le Père qui t'a révélé. Tata Oazali Nama Colonia Talis. Moi je t'ai dit que tu es Pierre. Naebi si yo te osali petelo. Cette pierre, dont l'Ibango a le bien mis balé, on les a dit Christ, le fils du Dieu vivant. Et la deuxième pierre, c'était le Christ, le fils du Dieu vivant, que Pierre avait répondu. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, parce que Jésus-Christ, dans le dit Pierre, lorsqu'on a parlé de Pierre, l'Ibanga, Bakokanisango, le loco, oyo, et Oumelaka. La pierre, on la compare aussi à quelque chose qui dure. Oezali, neti, moussala, ya, bonzambé. Qui est comme l'œuvre de Dieu. Oyo, et boi, motoa, tialobo. Qui refuse que l'homme puisse y mettre. Yabole, t'as dit ça, pierre, et c'est ce qui représente la pierre dans les Écritures. Maintenant, la pique. Et elle représente l'œuvre de l'homme. C'est pourquoi lorsqu'on érigeait la tour de Babel, parce que tu touches un moment moqué aussi. Parce que nous allons aussi le toucher un petit peu. Parce que tour de Babel aussi est allé le 24 décembre et le 25 décembre. Parce que la tour de Babel c'est aussi le 24 décembre et le 25 décembre. Basangani bayokani. Les gens se sont convenus. Balokeli. Jésus-Christ date pour eux, ils ont botama. Ils ont cherché à donner à Jésus-Christ une date de naissance. Oye bielo konzamba kosalo ya malamu na sena moyo. Vous savez la plus bonne ou belle chose que Dieu peut te faire ici-bas, à personnalité ya bien. Il te donne un bon serviteur de Dieu. Il y a des drogues qui sont sous ce soleil. Mais si tu regardes les gens qui les enseignent et c'est leur enseignement, et leur enseignement leur manque même du respect. Plus de sérieux. Mais ils viennent dans cet ensemble avec plus de sérieux. Mais ils ont respecté. Mais l'enseignement qui se prêche ne les respecte pas. La Bible. Parce que cet enseignement-là ne se trouve pas dans la Bible. Donc, c'est que le Seigneur peut te faire de bon. Yo yo ye le lo awa na séminaire. Toi qui es venu aujourd'hui dans notre séminaire. Zambe, parce que mon Dieu a un don. Parce qu'un serviteur de Dieu est un don pour le peuple. Donc, quand il va venir un serviteur, comme on l'appelle serviteur, un chef, il n'est pas un chef. Tel que cela est appelé.
Azana service du Seigneur. Mais en abattoyo bango basangani. Mais il y a des gens qui se sont réunis. Na mayele na bango ya bon moto. Par leur intelligence humaine. Bazui date. Ils ont pris une date. Batie yangoa. Et ils l'ont mis là. Le 25 décembre. Le 25 décembre. Pendant les 24 Tibutu. À partir du 24 toute la nuit là. Et le 25 maintenant. Et le 25 maintenant bien aimé. Dans le Biézani, Mbotama ya Yesu. Et ils disent que c'est la date de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Soko mutua, place oza. Si tu leur poses la question, c'est lui qui t'a prêché là où tu es. Papa nazo respecte. Papa, je te respecte beaucoup. What? Où est-ce que tu as ramassé cette date de Jésus-Christ? J'étais quelque part, quelqu'un me l'avait aussi dit. Parce que d'autres pensent que cette date-là est vraiment écrite aussi dans le livre de Matthieu. Yeah. Non, bien-aimé. Jésus t'a envoyé. Lorsque Jésus est venu, aussi Mbaboué. Il saisit ceci, bien-aimé. Jésus a yaki d'abord pour Israël. Jésus-Christ était venu d'abord pour le peuple d'Israël. C'est pourquoi lorsqu'il est venu, Azalaki jamais côté de ma disciple, pas que le côté à Bisso Mapadan. Il n'envoyait pas les disciples d'aller nous prêcher à nous, le païen. Azalaki Koboya. Il refusait cela. Kolanzama programme n'est ya oui Zalaki. Suivant le programme tel que cela a été conçu. Yamo comment on a Matthieu 10. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Matthieu 10. Bon, il faut en répondre na yango pona. Parce que je dois répondre à cette question en fait que vous sachiez les choses telles qu'elles sont. Parce que l'idée est malade, parce que une bonne parole ou un bon enseignement provient du Seigneur. Et cela est semblable à la véritable pierre. Maintenant, l'enseignement que quelqu'un a conçu par son intelligence. Bible compare à la brique. Et la Bible les compare aussi à la brique. Parce que jour wana na Genèse 11. Parce que ce jour-là dans Genèse 11. Au lieu basale la libanga. Au lieu qu'ils puissent utiliser la pierre pour construire. Basale la brique. Ils ont utilisé la brique à la place de la pierre. Donc il faut comprendre que libanga wana etelisaka vrai enseignement. Il faut comprendre que cette pierre représente le vrai enseignement. Soucio basalaki nango ezalaki ya bien. Le souci qu'ils avaient était noble. Tous en bana. Réunissons-nous. Donc il dit ma colo pour goûter à Nzambe. Et bâtissons tout pour aller aussi à la rencontre. Est-ce que vous qui ne goûtez à Nzambe sans mal? Est-ce qu'aller à la rencontre du Seigneur est une mauvaise chose, bien aimé? Bon année Nzambe à Boyaka. Pourquoi le Seigneur avait refusé cela? Pour Ebandi na été. Parce que cette œuvre n'avait pas commencé avec lui. Ebandi na été. Cette œuvre n'avait pas commencé avec lui. L'œuvre qui commence avec le Seigneur. Jacob qui m'a son frère. C'est lorsque Jacob fuyait son frère Esaü. A comment il n'a pas. Il est arrivé dans une ville appelée Luz. Et le Mélemoussou va bien en Bethel. On l'appelle aussi Bethel cette ville. Amoni Libango Zambasala. Il a vu une pierre créée par Dieu. Nous utilisons des coussins. Éponge à bien. Ah, tu cherches des coussins qui ont de belles éponges. Mais Jacob, lorsqu'il a voulu chercher un chevet ou un oreiller pour dormir, il prit la pierre, bien-aimé. Alors il mit la tête sur la vrai oreiller. Le vrai oreiller. Si tu dors ensemble avec cela, tu verras les choses célestes. Et puis à mon échelle. Et puis à mon échelle. Et bandit l'icolo. Cette échelle a commencé en haut. C'est ça le vrai terrain de l'angoisse. C'est ça le vrai chemin, bien-aimé. Il y a Genèse 11 et bandit lancé. Et Genèse 11 a commencé à moi. Pour aller. Et le moni pierre était brique. On a enlevé la pierre pour remplacer par la brique. Il y a Jacob et sa pierre. Mais celui de Jacob c'était la pierre. Mais l'échelle est outil du collègue. Mais l'échelle est provenue du ciel pour descendre. C'est qu'un zéla ou qu'un de l'icolo fait ou t'as l'icolo. C'est là que l'échelle est au ciel pour venir du ciel. Philippe a posé une question. Philippe a bien posé la question à Jésus. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et Jean 14.
14. Dans Jean 14. Jésus a répondu Philippe. Jésus a répondu Philippe. Utakala nazana. Depuis longtemps. Nana zorba wana ngekata. C'est lui le père qui répondait. Ami, jusque là nous ne pouvons pas. Jusque là vous ne m'avez jamais connu. Ami, c'est lui qui m'a vu à vie le père. Oya moningai amoni tata c'est bon. Ami, je suis le chemin. Nazali zela. Voilà zela de yagwa. Je suis descendu du ciel. Yende zela yende pierre à fondement. C'est lui le chemin et la pierre du fondement. Avant la moboko asi mandat. Avant qu'il soit le fondement. Il voit où kalikolo. Il doit provenir du ciel. Yende Jacob à mon. Et c'est lui que Jacob avait vu dans les anges. Kolo apambola yo mingi. Et le Seigneur te bénisse abondamment. Donc ce qui n'est pas tout bas sangani. Si par exemple les gens s'élèvent. Comme nous sommes réunis aussi aujourd'hui. Et nous voulons faire les choses de Dieu, mais nous mettons nos propres. Tout ce que nous ferons là. Nango, ça s'appelle la brique. Confondre. Le Seigneur viendra nous confondre à la fin. Même si nous formons l'unité, lui-même avait dit tout qui tapait, tout tient par mon goulou. Parce que ces gens avaient rejeté la pierre. Et pierre véritable, pierre à l'obaki, qui est le Christ, le Fils. C'est ce qui était sorti de la bouche de Pierre aux alliés Christ au moins dans un pays. Cette pierre provenait de l'éternité. Le Seigneur Jésus-Christ. Et colo Jésus-Christ. Amen. Et question les qui posait. Et lorsque cette question était posée, bien aimé. Jésus n'a qu'à tiakolukabaya no la yé nalikambasengaki. Jésus, en cherchant la réponse à la question qu'il avait posée, a mi benga d'abord fils de l'homme. Il s'était d'abord appelé comme le fils de l'homme. Moi na ya moi. Le fils de l'homme. Itenignon soana ya misala wana tokotali sa yango. Tous ces attributs là, nous allons les montrer dans notre séminaire. Mais lobby le 23 dans ton sisi total qui? Alors hier le 23 lorsque nous avions prêché, totalisa qui solo, on avait montré en réalité Zambé que Dieu, parce que Zambé a solo qui est le Dieu véritable. Zambé talisa ka oyo bazali ko kumba mela. Dieu venir c'est lui qu'on adore. Et ça n'a pas de musu tout bazana na Zambé na bako ba jouer. Il y a d'autres personnes qui ont pour Dieu des joueurs. Donc, joueurs à Rosan qui s'est église. Donc, les joueurs de football peuvent faire manquer le culte. Joueurs en Andenzambe. C'est là venu, ces joueurs-là, c'est lui son Dieu. Donc, Azo Pesa est valeur que les Kanzambe. Il donne plus de valeur aux joueurs de football qu'à Dieu. C'est ce qu'on appelle ce qu'on adore. Oh, yo, bangumba, mais la katouba pesa kalosambo. Adoration est encore pour l'éternel. Les termes de l'adoration n'est exclusif. Oh, si ma mangue théorie, moi j'adore la mangue. Française, au conseil. Le français vous ennuie. L'adoration. Le sambo. Et ça, divine. Et ça, il y a un tel. Et ça, français, bah, ça ce n'est pas comme les français te disent. Moi, c'est dans ma j'ai 14. Ah, ma femme. Le mot de verbe, on n'est pas moi. Ce verbe-là, j'ai ta femme. J'ai délivré. C'est pour Dieu. Le sang de Zalika Kanta. Pour imiter la batoute à ma belle. N'imitez pas les gens de ce monde. Ne joue pas avec Dieu. L'adoration, c'est pour l'éternel. L'adoration, c'est un caca pour Nanzambé. Mon tonzou à gros, moi j'adore le Fumbo. Il y a un Golia. Garde la bonne de la Kanfumbo, ma petite Kanfumbo. L'adoration, c'est pour Dieu seul. Le sang que Zali a tamé. On peut utiliser qu'un verbe ou un apon ensemble avec la vie de Colopézé. Tu ne vas utiliser ce verbe-là que pour le Dieu qui avait créé les cieux et la terre. Aza unique. Aza kaka et moko alikinda. Mais total à qui pour. Mais on avait vu ceci. Total à qui. On avait montré que Zambé a soit qu'à l'hypote en moko. Que le Seigneur avait pris un peuple. Na l'hypote en moko azwaki. Et dans le peuple. Je sais que j'ai promis de parler de 2 ou 3 minutes du verset
soit qui. Et parmi le peuple qu'il avait pris, a pesa li botawana parole na. Il avait donné sa parole à ce peuple là. Soki a pesi parole na li botamoko. Et s'il donne la parole à un peuple, li botawana ba community bana na ye ou mwana na ye. Et ce peuple là devient comme son fils ou ses fils. Yango to pesa li ba C'est pourquoi on avait donné des témoignages. À Genèse 23, verset 6-7. Dans Genèse 23, le verset 6-7. Abraham a été appelé prince de Dieu. Abraham était appelé le prince de Dieu. Moi, na yazambe, moi na mokonzi. Donc moi, na mokonzi, mokonzi nzambe. Israël est né sur l'Exode 4, verset 22. Et tout Israël dans l'Exode 4, verset 22. Et Benami, fils de Dieu. Est appelé fils de Dieu. Pour Zambende Azubango. Parce que c'est le Seigneur qui les avait adoptés. Quand le Seigneur fait quelque chose, ce n'est pas à moi de lui dire que fais-tu. C'est lui qui le fait. Sur la terre, avant que le Seigneur ne meure, avant qu'il ne ressuscite, le Fils de Dieu n'était que le peuple d'Israël. C'est pourquoi je t'ai donné l'écriture d'Exode 4, 22. Bazalaki dilembo ya oyoyo et kokoki se maka na suite à temps. Ils étaient le signe de ce qui devait s'accomplir à la suite des temps. Yamo totali saki boye. C'est pourquoi on avait montré ceci. Zambe azwaki bango na oyo abengaka adoption. Le Seigneur les avait adoptés. Donc a komisaki bango bana ya ye. Donc faire des enfants d'autrui des propres enfants. Et un bon d'adoption. Et c'est ce qu'on appelle l'adoption. Et celui qui est ton enfant, tu dois lui donner ta parole et ton héritage. C'est pourquoi les oracles de Dieu ont été donnés à Israël. Mais dans tout cela, il y avait aussi des belles promesses pour nous. Parce qu'après la mort de Jésus-Christ, et le Saint-Esprit soit donné à nous tous, à ceux qui croiront la parole, soyons aussi appelés les enfants de Dieu. Mais d'abord, il a marché avec Israël. Et Nathalie Saki, Pino, alors je vous avais montré que papa. Et le papa qui reconnaît son enfant, il viendra le visiter. C'est pourquoi on avait montré que le Dieu invisible, il avait marché sur la terre comme un homme. Supposons Genèse 18, verset 1. Prenez Genèse 18, le verset 1. Ça veut dire l'Éternel apparaît. Yahweh Abimelech. Donc cela veut dire mon anagate, c'est apparaît. Donc il est invisible, mais il apparaît. Maillé comme l'homme. Mais il est venu comme un homme moto. Sommes-nous Abraham? Si tu poses la question à Abraham, oh, Isana, qui est celui-ci? Éternel. Il te dira que c'est l'Éternel de Dieu. Mais Azaragin Azoto. Mais il était marché. Il a marché sur la terre. Tu peux poser la question qui était resté là-bas. C'est toujours lui qui était resté. C'est ce qu'on avait montré hier. Les écritures sont légendes. Il montre que le Seigneur qui vient en forme humaine. Même dans Juges 13. Même dans Juges chapitre 13. Aya lokola moto ayota la maman. Il était venu comme un homme pour visiter la mère de Samson. Moto vraiment beau. Un homme vrai. Et c'était l'Éternel. Et ça là qui Yahweh Yemoko. Mais il a sali d'autres. Mais c'est lui qui a créé ce corps. Et tu penses qu'il ne peut pas le faire pour lui-même, Dieu? Il est capable. Il est capable. Yamo a la kaki ke akoya yemoko. C'est pourquoi il avait promis qu'il viendra lui-même. Soit Esaïe 35. On avait pris Esaïe 35. Dans verset 4. Au verset 4. Kapese qui est la tête à Koya Yemoko Pepo Abikisa. Il avait donné la promesse qu'il viendra lui-même pour sauver le peuple. Mais quand Yemoko Koya, et quand lui-même viendra, Akozala Ndakuya Mosala, il sera un sanctuaire. Voilà ton soit qui Esaïe 8, verset 14. Là on avait pris Esaïe 8, le verset 14. Le Seigneur Mosala Ndakuya. Le Seigneur sera un sanctuaire, lui-même Dieu. Mais ton monde est dans Jean 2. Mais on avait vu dans Jean 2. Jésus-Christ dans le temple. Jésus-Christ dans le temple. A lui-même détruit le temple. Beaucoup qu'à tête.
Alors, et dans 3 jours, je les relèverai. Bible est à partir du verset 19 à 22. La Bible parle à partir du verset 19 à 22. Azalaki kolonde na na temple et sa nzoto. Il parlait du temple de son propre corps. Voilà, yewana de éternel. Voilà, c'est lui l'éternel Dieu. Donc Jésus-Christ. Jésus-Christ. Aza éternel ou akredi di kolopese. Yende Yahweh ou akela di kolopese. Le Seigneur n'est pas Esaïe. Le Seigneur chez le prophète Esaïe. Azotan Isaké, il est l'alpha et l'oméga. Il montre qu'il est le commencement et la fin. Donc Aza et Baneli Pesuka. L'alpha et l'oméga. Aza premier et dernier. Et même tant oiseau qu'on s'est présenté par Jean. Et même lorsqu'il s'est présenté à l'apôtre Jean. L'Apocalypse premier, ton temps n'a pas versé. Nous allons lire le verset 8. Le verset 8. Jésus, l'alpha et l'oméga. Nazali et Bandela Pesu. Dit le Seigneur Dieu. Elobi Koloya. Apocalypse 8, verset 1. Amen. C'est lui qui était. Qui est? Qui est? C'est lui qui est. Oyaza. Qui était? Azalaka. Ton temps m'a dit qui était. Oyazaki kotinda Moïse. Cela veut dire celui qui a envoyé Moïse. Oyatinda ki Esaïe ba Jérémie. Celui qui a envoyé Esaïe Jérémie. Celui qui est. Yenda Zalelo. Yenda Zalelo. Celui qui est aujourd'hui. Et qui vient. Pe Azoya. Le Tout-Puissant. Zambe Nanguya Nyoso. Yenda lo dit qu'il est Alpha Omega. Et c'est lui qui a dit qu'il est le commencement, c'est la fin. Natawa nous sur la tour de frère Jean. Et en. S'entretenant toujours au frère Jean. À le Bible, il dit ceci. Na verset 17. Au verset 17. Il y a Apocalypse 1. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant. Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il est le premier et le dernier. C'est lui le premier et le dernier. Dans verset 18e. Au verset 18. Dans verset 17e. Au verset 17. Yéwana le tout puissant. Yéwana le dans verset 8e. Au verset 8. C'est lui. Et ça lié. A total isaki boye. Et nous avions montré ceci. Est-ce que ceux qui m'ont dit si on. Est-ce que si on te dit. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui. Oui. Azamwa Nazambe, poye mokaza, loba o et salemi nzoto. Il est le Fils de Dieu parce que lui-même est la parole faite chair. Moi na etalisaka. Le Fils représente. Oya bimi na katiataka. Celui qui est sorti du Père. Yamone moi. C'est lui le Fils. Aza Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Ceux qui me donnent le Fils de Dieu. Si on te pose la question. Dans la réalité. Les otages, qu'est-ce que cela représente? Les otages, ça. Et cela représente avoir la victoire sur la mort. Jésus-Christ a dit celui qui croit en moi. Il ne verra jamais la mort. Donc Christ aussi est Fils de Dieu. Et Christ aussi est le Fils de Dieu. Azane longa likolo na liwa. Il a la victoire sur la mort. Lokola Romains 1:4 nous dit. Comme Romains 1:4 nous le dit. Yemoko ni beba Fils de l'homme. Et lui-même s'était aussi appelé le Fils de l'homme. Fils de l'homme azotalisa lokola moto yazomema mokumba nyonso poya kosambisa. Et le Fils de l'homme représente celui qui porte tout le fardeau pour venir le juger. C'est ça, Fils de l'homme. Donc, Mosambisi. Donc, le juge. La Bible. Hein? Dans la Bible, frère. Et ça, n'a mis ça là, et il y a beaucoup d'attributs. Mais Bible, la monnaie, n'a pas de la grande, la colère sur Christ. Mais la Bible, dans sa totalité, parle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Oya Sambisaka. Donc, celui qui juge. Abemami, moi, nana moto. Et appelé le Fils de l'homme. Tout cela sont des attributs du Seigneur. Azamo Sakoli. Il est aussi le prophète. Oyoyo Mosalobaka. Dont Moïse avait parlé. Mosakoli, Oyoyo Azalokola Mose. Donc le prophète qui est semblable à Moïse. Donc, Sokotali Mosakoli.
Mose na musala zalaka. Donc si tu observes Moïse dans l'œuvre de Dieu, azalaka pe elembo ya nganga zan. Il était aussi le signe du sacrificateur. Na psaume 99. Dans psaume 99. Na verset 6 na 7. Le verset 6 et 7. Azalaki comme nganga zambe aussi. Il était aussi comme sacrificateur. Donc si ma vision qui est collée et se brise, ça s'appelle nganga zambe. Si on te dit que Jésus-Christ est sacrificateur, au ya te. Tu ne le refuseras pas. Bon, nganga zambe, ça y est, tiama na mosala ya kolimbi sa masum. Parce que c'est le sacrificateur qui est établi dans le service de l'expiation du péché. Kola pambola ya mingi. Amen. Oyo nyonso tokotalisa misala oyo eza na kati ya kolo. Nous montrons ici les attributs qui sont dans le Seigneur. Otangi na psaume 99. L'psaume 99. Zotanga yango na kombo na Yesu Christ. Nous les lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 6. Le verset 6. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs. Mose na lo na batangami na kati ya banganga nzambe. Voilà, Moïse atangami comme nganaza. Et Moïse parmi les sacrificateurs. Lokola Mose alobaki Yahweh akotombola Mose boli lokola ngai. Comme Moïse avait dit que Dieu suscitera un prophète comme moi. Donc c'est que ce qui Moïse est sacrificateur. Donc si Moïse est sacrificateur, Mose boli akotombola lokola Moïse akozala penga nganza. Le prophète qui sera suscité comme Moïse sera aussi sacrificateur. Moïse na esaleli lolenge zabatambola ki na ye. Moïse dans les services que le Seigneur l'avait assigné. Asalaki kazala comme roi. Le Seigneur avait fait qu'il soit aussi comme le roi du peuple. Deutéronome 33. Deutéronome 33. Verset 4 et 5. Le verset 4 et 5. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse, Nazan de Deutéronome 33, verset 4 et 5. Moïse nous a donné la loi. Mose a pesaka biso mobeko. Héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi. Azalaka pekumu. En Israël. Na Israël. Quand s'assemblaient les chefs du peuple. Tapo ba konta mabota bazayiko sa. Et les tribus d'Israël. Pe mabota Israël. Moïse était aussi roi. Mose azalaki pekumu ya Israël. Donc c'est il roi ba ke Mose akole boye lokola Moïse. Cela veut dire le prophète qui viendra comme Moïse. Akozala aussi roi. Il sera aussi roi. Zambe atambola ki bongo na kata libota ponani. Pourquoi le Seigneur a marché ainsi parmi le peuple? Azala ki na besoin a tonga eloko. Il avait besoin d'ériger quelque chose. Tosu takisa. Nous prenons un exemple. Soki moto aza menuisier. Si quelqu'un par exemple est menuisier. Alingi ya sala neti mesa. Il veut par exemple faire une table. Abozana na mesa wana na kati ya mutuna. Il aura d'abord sa table dans sa tête. Parfois Dieu a tiens mon papier. Parfois il peut la coucher sur un papier. Après à bannir ton mamesse. Après il commence à faire la table. Un architecte. Peut mon tokindako. Sogali na ton mandat. S'il veut construire une maison. À cause du papier ou à ma canisse n'ayons sur yandako ya solo. Il va prendre d'abord la pensée de la véritable maison. A tiens mon papier. Il va la coucher sur un papier. A commis vraiment au trois chambres. Aux chambres à ma parent. La chambre de parents. A commis CH chambre. CH chambre. Après commis à couloir. Voilà la papier. Là, couloir. Le papier, l'écrit couloir. Après commis à véranda. Et puis l'écrit véranda. Awa commis garage. Soko tuni et d'aller à commander un papier. Si tu lui poses la question, c'est mon ah, les amis. Ici, qu'est-ce que c'est? Garage. C'est le garage. Comment est-ce que mon garage? Garage. Là, papier. Mais c'est sur le papier. Y'a mon compte sur voiture. Maintenant, viens faire entrer ta voiture dans les garages en papier. C'est exactement ce que le Seigneur a salaki. C'est exactement ce que le Seigneur a pour aller comme véritable Dieu. Pour venir comme le véritable Dieu. Il fallait bien aller tout ça dit. Il fallait qu'il appelle un homme et qu'il fasse Dieu. Azoya Sali Moïse, Zam. Il avait pris Moïse et l'a fait Dieu. Et ça, dans Exode chapitre 7, verset 1er. Et c'est dans Exode 7, le verset 1er. Pour aller dans Salaki et Zam. Pourquoi il avait fait cela? Pour papier. C'est comme le papier. Il y a plan. Les papiers du plan. Gap véritable. Mais la maison véritable. Zamba solo. La maison véritable. Akoyaga pour la consigne. Qui viendra pour acheter réellement. Il y a moi à saluer Moïse. C'est pourquoi il a fait de Moïse. Mais un petit Moïse, commandement. Mais il a donné le commandement. À son Moïse. Il parle à Moïse en disant. À lui. Il n'aura pas un autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que cause à la tête qui pose son Moïse c'est là il fallait que Moïse lui dise quelque chose devant toi. Tu m'avais déjà fait Dieu.
Mais il lui a encore dit, il n'aura pas un autre Dieu devant ma face. Pour montrer que Moïse était un Dieu signe. Pour montrer que celui qui viendra racheter, ce sera vraiment le véritable Dieu. Si nous parlerons sur l'enlèvement aujourd'hui, il faut que nous le voyons sur le plan qui est dans le, sur le plan. Enoch a qui? Enoch fut enlevé. Eli a qui? Eli fut enlevé. André, il a du papier blanc. C'est comme les plans sur le papier. Maintenant, la réalité. Alors, nous dirons dans mon sol. Jésus a nettoyé. Jésus aussi fut enlevé. Eli nettoie la bise au pays. Allez, et notre enlèvement aussi est là. Ça s'accomplira. Pour déjà dans le plan. Parce que cela est déjà dans le plan. C'est ça la Bible. Il y a beaucoup de Biblia. Parce que Zambazali Motongi Kitoko. Parce que le Seigneur est le véritable constructeur. Abongi Saganano Makambo. Il conçoit d'abord les choses. Avant qu'ils ne viennent les accomplir. Et Dieu bénisse. Amen. Donc ce qui est la quête, c'est-à-dire dans tout cela, ce qui va être ici, si on te disait que Jésus-Christ, Azali, Zambé, et Dieu, l'icomine d'Imi Yango, c'est l'écriture qui l'atteste. Yamonde topé ce qui m'a commis Yango déjà. C'est pourquoi on avait déjà donné ces écritures-là. Et total ici, Lélo, et on a montré aujourd'hui que. Il est un prophète semblable à Moïse. Donc, il faut Zala, le roi. Il doit être le roi. Il faut Zala, sacrificateur. Il doit être sacrificateur aussi. C'est pourquoi il avait dit que j'ai le pouvoir moi-même de donner ma vie. Donc, Aza capable de sacrifier sa vie. Donc, il a le pouvoir de sacrifier sa propre vie. Après ce qu'il y a mon na yo. Il l'avait donné pour le pardon du péché de toi et moi. Yéwa sacrificateur. Et c'est lui le sacrificateur. Yéwa sindaza. Sacrifice. Et c'est lui-même qui entend le sacrifice. Les sacrifices qui apportent tous nos péchés. Et ça n'est Jésus-Christ. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Romains 3 et le Bible. Romains 3 dit ceci. Alors, on a entendu ça tout simplement. Ici, je montre seulement bien-aimé. Dieu suscitera un prophète comme moi. Moïse. Parce que nous, il faut comprendre en gros bien, bien. Parce que tu dois bien comprendre tout cela. Romains 3. Romains chapitre 3. À partir du verset 23. À partir du verset 23. Dans le verset 5, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et tes matonions sont à sous-moukipé par. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Par sa grâce. Peba komi ba yenge bene nzanga mbongo na ngoluka ka nzambe. Par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nantela ya lisiko ezali kati na Yesu Kristo. Lisiko ezali bada Jésus-Christ. La rédemption n'est pas en dehors de Jésus-Christ. Lisiko ezali na kati ya kolo Yesu Kristo. La rédemption est en Jésus-Christ. Ce qui m'entaboye Jésus-Christ. Si quelqu'un rejette Jésus. Akodi kate. Il ne sera pas non plus sauvé. La rédemption, c'est au moyen de Jésus-Christ. La rédemption, c'est au moyen de Jésus-Christ. Car c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. Victime propitiatoire. Afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience. Enfin dis-je. Que Dieu soit loué. Amen. Et l'homme de l'ennemi soit à ce que je voulais prendre ici. Et ça que la rédemption ici, que ça n'en sera Jésus-Christ. La rédemption, c'est en Jésus-Christ. Et puis.
Jésus-Christ dans sa victime propitiatoire. Jésus-Christ dans sa méca ou même la cabatongolo en Zambé. Donc bonjour en Golo en Zambé, ma wanzam. Pour que tu obtiennes la faveur de Dieu. Et ça n'a combo mon corps. Il n'y a qu'un seul nom. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, il y a mon corps à sa sacrifice. Lui-même est le sacrifice. Donc, victime propitiatoire. Donc, la victime propitiatoire. Il y a mon corps à sa sacrifice. Lui-même aussi est le sacrificateur. Du fait qu'il avait lui-même donné sa propre vie. Parce que mon salaire est sacrificateur. Parce que l'œuvre du sacrificateur. Azoaka bomo yambate yanyama. Il verse le sang de l'animal pour le pardon du péché du peuple. Dans l'ancienne alliance, moto oyazanga na nzamba kesana kina sacrifice. Celui qui était sacrificateur était différent du sacrifice. Mais na boyoka na sika. Mais dans la nouvelle alliance, ngangazamba les sacrificateurs oyazobo manyama qui immole l'animal. Azala na yemoko. C'est lui-même. Donc victime propitiatoire. Sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Les sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Yemokoa. Lui-même là. Yango alobaki yango ne lobeli oyo. C'est pourquoi il avait dit de cette façon. Ngamoko nazana makoki yango pesa bomoi. Moi-même j'ai le pouvoir de donner ma propre vie. Et puis ngai moko nazana makoki yango soya. Et moi-même aussi j'ai le pouvoir de la répandre. Et Dieu bénisse. Amen. Donc ce que la tête n'a pas comprendre. C'est qu'en toi tu dois comprendre que misala otzamba pesaka basakoli avant. Que l'œuvre que le Seigneur avait assignée au prophète d'Ancien. Et zalaki kotalisa que na kati ya kolo ekoya kosalema. Et cela montrait que le Seigneur viendra accomplir toute cette tâche. Na Bible. Dans la Bible. Bazalaki ko rendre roi. Oh, mettez l'onction sur le roi. Ouendre là, c'est ce qu'on appelle le Christ. Basaki ko ouendre prophète. Ouendre aussi le prophète. Basaki ko ouendre aussi sacrificateur. Basaki ko tiapé pakwa Nicolas dans Nzambe. On se rend là. Amen. Et Israël, nous avons la prophète locale à Moïse. Israël attendait un prophète semblable à Moïse. Mais oyoyo abozalande Nzambe. Mais ce prophète sera Dieu lui-même. Ako consolé bango. Qui viendra le consoler. Ndenge totangaki. Comme on l'avait lu. Et c'est pourquoi. C'est pourquoi bien-aimé. Malobo etiamaki na kati ya Pierre. Les paroles qui étaient mises dans Pierre. Elobaki tiye le Christ. Il était dit qu'osali Christ. Le fils de Dieu vivant. Moi nanzambe ya bomoi. On a pas bon la yomi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc mon pakolami a solo. Donc loin véritable. Mon tindami a zambé. L'envoyé de Dieu. Eza kolo Jésus Christ. C'est le Seigneur Jésus Christ. Donc quand on lui mon tindami a zambé. Lorsque nous parlons de l'envoyé de Dieu. Eza yé mon konzambé a mitindi na katia mosala. Donc c'est Dieu lui-même qui s'envoie dans sa propre œuvre. Eza loko la yaki na deka plan. Il était venu dans la maison d'Abraham. Mais il est venu comme un homme. Il s'est envoyé lui-même. Et ça, le cola, mon conti. C'est comme un roi. Aébi, mécanique bien. Qui maîtrise bien la mécanique. Mais le problème, c'est la voiture. Mais sa voiture a connu une panne. Jour ou là, dimanche, bah, travailler, bah, ça t'es. Et le dimanche, les travailleurs ne viennent pas au travail. Mais il est bon quoi là, dit. Tenir sa salopette pour mon guise. Mais lui-même porte la salopette pour réparer sa voiture. Si tu ne fais pas attention, tu verras, ah, c'est le travailleur. Mais ça y est, mon quoi, c'est béni qu'on s'en a pour ça. Mais c'est lui-même qui s'est pris à faire le travail. C'est ça, Dieu. Il y a mon endamé paix. Quand on a mon akamoto, t'as qu'on y qu'on s'en a pour ça. Lorsqu'il ne voit personne qui soit capable de travailler. Y'a joie que si quand on a. Lui prend cette place pour venir travailler. N'est il pas la commune qui s'amabelle. Donc pour sauver la terre par exemple. Kokango la bicho. Donc nous délivrer. Et personne ne pouvait accomplir cette tâche. Même les anges dans les cieux. Même ceux qui étaient là. Même ceux qui étaient sur personne. Motomoko te. Mais dans
asepele ki koya lo kona ku. Il avait pris devenir comme un homme. Yemo koa. Lui-même. Aye lo kona ku. Il est venu comme un homme. Yango annonce ki ke ye yawe akoya lo kola ndako za. C'est pourquoi il avait annoncé que lui l'Éternel viendra comme un sanctuaire. Mais il faut que tu saches ceci, bien-aimé. Libanda ya Yesu lisiko ezalaka te. En dehors de Jésus, il n'y a point de rédemption. Même pour ton pardon et péché. Mais pour que tu obtiennes le pardon du péché. C'est au nom de Jésus-Christ. Salita kana kopa Yesu Christo. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Salita kana kopa encore Yesu Christo. Parenthèse na lobaki na kokotsa sur le 25 décembre. La parenthèse que j'avais dit de parler sur le 25 décembre. Il faut y baguer. Tu dois savoir, bien-aimé. Bible au cette Bible. Ma kambo eza awa, les choses qui sont eza plus âgé que moutounio sa ma belle. Et ça parta pour les kabafan d'ignon sont les longs dans ma belle. Donc celui dont le béli a moisa te que tozo taquine au te. Donc si nous parlons de ça, ce n'est pas venu que nous te provoquons. Et y a avant yo. Parce que ces choses sont venues avant ce totalité. Si tu regardes par exemple ta date, oza rana, pays nini. Que tu sois n'importe quel pays, oza rana, moi, na 1900. Ah, tu es toujours de 1900 quelques. Moi, na 2000. Tu es toujours de 2000. Mais moi, comment mieux? Mais c'est écrit. D'abord, elle est éternité. D'abord, elle provient de l'éternité. C'est ça. Ça vient de dicter à mon bateau. Le Seigneur va venir dicter aux gens. Bateau, ma commande, à mon bateau, sous la dictée du Saint-Esprit. Ceux qui les ont écrits, l'ont qui les ont écrits sous la dictée du Saint-Esprit. Donc, celui qui nous a levé là, donc, si nous parlons de cela, et ça fait que nous avons dérangé. Ce n'est pas pour te déranger, non. Mais tu as un homme pour nous tenir sur Aïeba, les Camonines dans la Bible. Mais nous parlons en fait que tout le monde sache ce qui est dans la Bible. Jésus-Christ dans ma botte ami. Lorsque Jésus-Christ est né, Tiko Kolanaye, jusqu'à sa croissance, à Sala 33 ans. Il a fait 33 ans sur la terre des hommes. Nous les prenons dans quelle écriture? Nous prenons Luc 3, verset 23. Prenons d'abord Luc 3, le verset 23. Lorsqu'il vient commencer son œuvre, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Donc, lorsqu'il a commencé son œuvre, il avait 30 ans d'âge. Maintenant, si vous voyez dans Luc 13, si tu te rends maintenant dans Luc 13, na verset 31 à 33, au verset 31 jusqu'au verset 33, Jésus a loba que mon salaire est consala na mabele. Jésus avait dit que l'œuvre qu'il est venu faire sur la terre, Ezaka mon salaire 3 jours, est une œuvre de 3 jours seulement. Il y a 3 jours, on a fait que par nous. Maintenant, il faut faire très attention avec ces 3 jours. La Bible, il y a le nombre 14, verset 34. Dans la Bible, dans le nombre 14, le verset 34. Batan la capé, mon colo, le cola, mon bou, le cola année. On compte un jour comme une année aussi. Natangi Yangoa. Je l'ai lu. Dans Luc 13. Luc 13. 31, 33. Le verset 34. Ce même jour, mon colo, quelques pharisiens vinrent lui dire. Va-t'en par d'ici. Le quoi? Car Hérode veut te tuer. Et il leur répondit. Allez. Là, la zone verset 32, verset 13. Et dites à ces renards. Voici, je chasse les démons. Et je fais des guérisons. Aujourd'hui. Et demain. Et le troisième jour. J'aurai fini. Dans la verset 33. Le verset 33. Mais il faut que je marche aujourd'hui. Demain. Et les jours suivants. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Donc, à son façon, va tamboli 3 jours. Il dit que s'il marche pendant 3 jours, après il va périr, il va mourir. Il ne convient pas que le prophète périsse de Jérusalem. Parce que dans Jérusalem, il y avait le temple de Dieu, le lieu à sacrifice. Dans Jérusalem, il y avait le temple, le lieu de sacrifice. Parce que le prophète Azan semblant dans l'agneau. Oui, il est prédit. Mon sapoliako, kanina pâté, moi n'en pâté. Dans Azamba, mon maga prédit à Jérusalem. Les sacrificateurs qui immolent l'agneau, ils l'immolent à Jérusalem. Et il y a un véritable agneau. Et c'est lui le véritable. Donc, si on suit 30 naya bandaki moussala. Si tu prends 30 avec lesquels il avait dans 3 jours, oh yo, il était
33 ans. Avec ces 3 jours ici jusqu'à la mort, il a fait 33 ans de vie sur la terre. Maintenant, tomber dans mito imiter Jésus. Maintenant, nous sommes appelés à imiter le Christ Jésus. Na 33 ans aye. Dans ses 33 ans de vie, ni maman n'a assalé l'anniversaire. Ni sa mère ne lui avait organisé l'anniversaire. Et ça va bien. Lui-même Jésus-Christ. Et ça va bien. Mais ce qui est doctrine, je ne sais pas ce que. Que Jésus, dans la coma qui vient à 31 ans, et puis si ma pierre, les autres côté à terre. Je ne sais pas si c'est que la culture qui dit Jésus avec notre père va comprendre chez nous. Marie a organisé l'anniversaire. Cette écriture-là n'existe pas. Et Dieu bénisse. Amen. Et ça n'existe pas. À son 33 ans. Il a fait 33 ans de vie. Maintenant, ils sont tous ici, Manaé. Maintenant, nous sommes venus après lui. Ton zone imité banane. Jésus, Jésus, à partir de 30 ans, lorsqu'il a commencé son ministère à 30 ans, a dit qu'à la cotine de il n'avait jamais pas disciple Bateya Bissoba Bikor. Non, il n'avait jamais envoyé ses disciples d'aller prêcher nous, le païen, pour aller Rwanda, parce qu'en ces temps-là, Azalaki. Israël. Il était d'abord envoyé pour les prédits perdus de la maison d'Israël. Il faut savoir comprendre la Bible telle qu'elle est. Il faut Matthieu 10. C'est pourquoi Matthieu 10. Quand on appelle ses disciples le pouvoir. Lorsqu'il a donné le pouvoir à ses disciples. Pour pouvoir aller prêcher la parole de Dieu. Au moins, il ne peut apparaître du tout. Vous voyez, la chose peut paraître très belle. L'anniversaire, la naissance à Jésus-Christ. Ah, mais nous lui avons pas tant de temps. Alors, on peut tout le temps, mais là, vous avez dit, mais nous, on t'aime, mais le même Jésus. Maintenant, les gens à qui on s'oppose, ils se vous. Pour ça, nous avons une place à célébrer, qui a combien? Maman a célébré, qui a. On cherche là où lui-même a célébré son anniversaire, où sa mère Marie l'a célébré. Et dans la terre, la Bible. Cela n'existe pas dans la Bible. Quand le Seigneur a pris ce pouvoir, lorsque le Seigneur a donné le pouvoir, il leur a dit ainsi dans Matthieu 10, verset 5. Quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. La dame à l'âme. Suis attentivement. Donc, quand vous collez à qui a votre ami, lorsque le Seigneur était né, Moussala, il a commencé le ministère. Il n'était là que pour les Juifs, les enfants d'Israël. Il n'était pas encore pour nous. Parce que Jean 1 le dit, parce que Jean 1 dit, la parole, l'iloba, elle est venue chez les siens. Ayame, papa de Konaye, l'iloba wana. Et les siens ne l'ont point reçu. Papa de Konaye, bayamba yete. Donc, quand vous m'avouez qui est, donc, lorsque ce frère, il est comme ami. Alors il est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc d'abord, elle est venue chez les siens. D'abord, l'iloba, yate, papa de Konaye. Donc, naissance, c'est ça qui est nous pour la bango. Donc, la naissance de Jésus est. C'était pas d'abord pour nous. C'était pour eux. C'était pour eux le juif. Mais avant cela, la naissance, il y a un roi. Ils attendaient la naissance d'un roi. À Bethléem. Dans la ville de Bethléem. Quand Hérode a écrit un sacrificateur. Lorsque Hérode avait dit au sacrificateur. Va vérifier ce qui est commandement que le roi connaître. Et vérifier s'il était écrit le roi naîtra ou dans quelle ville il naîtra. Tu les lis dans Matthieu 2. Bah, sacrificateur, bah, les sacrificateurs ont lu pour bah, lui. Le roi Hérode. Le roi Hérode. Michée a prophétisé qu'il y a corona. Le prophète Michée avait prophétisé concernant cela. Et toi, Bethléem, petite ville d'entre des villes de Juda. Yo, Bethléem, le Gouba, mon kekatika tabigumba, Yuda. De toi sortira un roi. La katina, le Gouba, mon kotima. Voilà. Là, ça dit pour Israël. Là, il n'était que pour Israël. Et Dieu bénisse. Amen. Mais quand vous accouchez
écrit. Mais lorsqu'il est mort et ressuscité, alors il a dit, allez par toutes les nations. Ok, les païens. Mais tant que vous avez vivre avant sa mort. Mais lorsqu'il vivait avant qu'il ne vienne, il n'avait jamais envoyé ses disciples d'aller vers les nations. Parce qu'il était pour Israël. Parce qu'il n'était que pour Israël. Et ça, c'est comme aujourd'hui. Jésus-Christ maintenant ça n'a pas. Jésus-Christ est de notre côté. Maintenant on te voit. On fout des billets au pied Jérusalem. Tu payes vraiment les billets pour te rendre à Jérusalem. On commune en bas à la place à Golgotha. Tu arrives là-bas à Golgotha. On le voit moi ma bande ça très concentré. Tu ramasses les pieds tout en étant très concentré. Ah ouais, on décroît Jésus. C'est ici que fut posée la croix. Ma bande yo Golgotha n'a qu'à te tomber. On te voit aller entrer dans le tombeau du Christ. On a ignoré même parole, ange à l'obagé, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant d'entre les morts? D'ailleurs, tu penses que ce tombeau-là, cette pierre-là des grottes, Jésus à Zawan, que Jésus se retrouve encore là-bas? Notre chef à religion est vivant. Les chefs de notre religion, Azawan Abobo. Il n'est pas dans les tombeaux. En ce temps, nous voulons prier un tout petit peu. Et pas en Zambé, Zamba va toujours ta foi, ta guérison. Le Seigneur dit toujours, on dit manaye, bikisyon na mokono. Tant que déjà dans mon thème, on dit mis amis que naye pour la solution. Lorsque dans ton cœur, tu es convaincu que je suis venu pour avoir des solutions. Ngaye na zamu, tu na mosala yoga, tant mon côté. Moi, je suis un homme, je ne ferai rien pour toi. Mais c'est le Seigneur en tout ce qui mène. Mais c'est le Seigneur en qui nous croyons. Il est né ton père, c'est honneur, gloire, louange. C'est à lui que nous donnons l'honneur, la gloire et la louange. Il est né à ça la cagnose pour nous. C'est lui qui fait tout pour nous. Et ça la malade, ni nous en avons la cagnose. Que ce soit n'importe quelle maladie que tu as en toi. Ou est-ce à dire que tout qui s'aillons. Tout ce qui te dérange. Ou bien ça dit que tu dis ça n'est qu'on a eu à Zananda. Ou qui dérange ton frère qui est à la maison. D'abord, il faut la carte n'a eu on dit maïo yo yesika. D'abord, en toi, tu dois être convaincu, toi, tu as été invité. On dit ma ke, bolimbi sa masoum, ezaninde na victime propitiatoire, ou eza Jésus Christ. Et tu crois que le pardon du péché est dans la victime propitiatoire qui est Jésus Christ? C'est lui qui reçoit l'homme tel qu'il est venu. Le médecin n'est pas là pour les gens qui ne sont pas malades. Jésus-Christ est médecin. Jésus-Christ a sali pour mon ganga. Ayambaka bato baza malade. Il reçoit ceux-là qui sont malades. Quel que soit le problème que vous en avez. Quel que soit le problème que tu peux avoir. Les gens de ce monde peuvent te rejeter. Mais le Seigneur a compris qu'il y a terre. Mais le Seigneur ne te rejettera jamais. D'abord, il pas là. Lorsque tu viens à lui, à côté qu'il y a terre. Il ne va pas t'abandonner. Yende ayamba masum, on a vu son nom sur les couilles. C'est lui qui avait pris tous nos péchés à la croix. Nanzoto naye amenma masum unios. Dans son corps, il a porté tout le péché des hommes. Dibi lebi akoma lisum upona kana yo. Il est devenu péché à cause de toi et moi. Donc amenma ma peine a vu son nom sur les couilles. Il a porté tous nos péchés à la croix. Il faut la carte non di mabongo. Il faut qu'on croit, tu en sois persuadé. Parce que parce que toute notre vie, il faut donc aller dans Jésus. Il faut que nous puissions regarder à Jésus. Parce qu'il y a dans notre solution. C'est pourquoi en ce temps, nous demanderons tout un chacun. Il pourra avoir un problème de baisser la tête par la grâce du Seigneur. Abandonne-toi d'abord entre les mains de Dieu. Après, je vais t'appeler de passer devant. Le Seigneur a yo kakape à mon akanyoso. Le Seigneur écoute et voit tout. Et il
foi, il entend aussi les paroles de ton cœur. Yo mi kitisana no limosona con eso, Cristo. Abaisse-toi seulement devant le Seigneur.